Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le deuxième stream de Stratégie Défense a eu lieu. J'ai malheureusement pas réussi à aller jusqu'au bout comme je voulais. Je suis arrivé à la phase finale qui est très très dure. Je vous laisse du coup avec ce niveau 18 qui m'a donné pas mal de fil à retordre comme vous allez pouvoir le constater. Bonne vidéo à tous. Salut à tous les amis. Fin du let's play Stratégie Défense ce soir. Vous avez vu dans le titre, je m'arrête pas tant que j'ai pas fini le jeu. Alors j'espère que vous êtes prêts parce que moi je suis prêt. Je vérifie que tout est en place. Ok, parfait, nickel. Ok, donc load game. Alors, attendez. Je vais baisser un peu la Zikora. La Zikora elle va méga forte. Putain, j'avais baissé le son mon ordi en plus. Je sais pas comment ça rend pour vous, mais moi j'ai vraiment la musique forte dans les oreilles. Peut-être in-game ce sera pas pareil. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que comme ça fait un moment que j'ai pas fait le truc, vous voyez ici les sauvegardes, j'avais perdu les sauvegardes, je voulais lancer le live hier, j'ai dû me retaper les 17 niveaux, ça m'a pris 2 heures, mais bon on va pouvoir reprendre. Ok ouais, d'accord, ok. Ok ouais la musique in-game et la musique dans le menu c'est pas pareil. Je pense que je peux mettre le laisser en défaite. Au max. On va rester comme ça pour l'instant. Alors, la dernière fois, je m'étais fait péter le cul. J'avais testé plusieurs trucs, il n'y avait rien qui avait marché. Donc on va faire change, tank, attaque, canon sur Jean-Michel. Ensuite, je vais reculer. Je vais essayer d'animer un peu plus cette fois. Attends. Comme ça va être bien à mon avis. Ah, je prends déjà pas mal la bite, tu vois, mais... En gros, je dois me méfier des machins qui balancent des missiles, je dois me méfier du tank. J'ai pris 153 de dégâts, donc techniquement, je suis pas sûr de survivre à tout. On va faire une attaque canon. Vas-y, la tour là, elle a la range pour me niquer. Ah, putain. J'ai 2 HP. Mais attends, c'est jouable ou pas? Et comment je fais en fait? Attends, elle a 8 de range. 1, 2, attends là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attends, mais comment elle me... Ah non, 13 de range. Ok, my bad. 13 de range aussi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Putain! Je suis encore dans sa range même si je bouge. Ça m'inflige trop de dégâts en un round ce truc. Si je me sustain, j'ai 100 HP. J'ai 100 HP mais je tiens jamais. Genre même si je me fous là, elle a la range pour me taper. Bah ouais. Ouais bon, ce niveau là il est dur. Hein. J'avais déjà bloqué sur lui la dernière fois. Hein. Ça doit vraiment être un truc pas tout con tu vois mais... En fait, comment je fais pour tempo ça en fait? Je peux pas être tempo, je prends 63 de dégâts ou 61, je sais plus. Avec ces deux tourelles, j'ai aucun moyen de me mettre hors de portée. Faut potentiellement que je trouve le moyen de les déglinguer avant, sachant que si je fais trop de ce côté, lui il m'explose à la gueule et moi me tape. En vrai, no joke, je vois pas hein. Comment je fais? Genre, il doit y avoir une technique, c'est sûr. Et là, je suis à rien. Ok, les tourelles électriques ont la même range que moi. Ok, je crois que j'ai une idée. Ok, je crois que j'ai. J'ai peut-être le bon start. Alors, c'est une idée un peu bizarre, mais je pense que le start, c'est de changer en tank. De faire une attaque gun sur Michel. Ensuite, je me décale d'un cran. Comme ça, il n'y a que les tourelles missiles qui ont la range de me taper. Lui, ce qui est bien, c'est qu'il va se barrer.
Je suis un troller, putain. Pourquoi j'ai plus de... Pourquoi j'ai supprimé la magie? Je suis un débile. Je prends juste au cas où. On va pas... Oh, c'est ça la tech. Ensuite je m'ouvre là. En fait, une fois que j'ai tué les tourelles missiles, c'est gagné, tu vois, mais. Je pourrais pas les tuer les tourelles, putain. C'est chiant ça en vrai. Ok, j'ai... hors de portée du tank. Est-ce que je peux mettre hors de portée du tank? Si je vais deux là, il va se mettre genre 1, 2 et il va me niquer en fait. Je vais essayer hein. C'est presque ça, c'est presque ça hein. C'est presque ça. Il y a un truc, c'est presque ça. C'est presque ça. En vrai, pourquoi je veux bouger, moi? Attends, est-ce que... À portée. Ah, là, il va me taper, il va s'éloigner. Ensuite, il va revenir me taper, puis il va s'éloigner une troisième fois. Je crois que c'est ça, la tech. En fait, faut pas bouger. Faut pas bouger d'un pixel. Et après ça passe tout seul. On va voir si ça marche. À mon avis c'est ça. Là normalement le Bomberman il s'approche. Il me tue pas. Magic Water. Et là, en fait, faut repas bouger. Non, c'est toujours pas ça, putain. Je l'ai, faut avancer là. Faut avancer là, putain. 1, 2, 3. Ah merde, il a le range. 1, 2. Ok, faut pas avancer là maintenant, faut avancer là après. Putain, c'est compliqué. Je sais. Big Flo et Oli. Ok, donc là, en fait, premier tour, faut pas bouger. Ça se joue vraiment au pixel près, les mecs. Hein. Ça se joue au pixel près. Mais c'est bon, maintenant que j'ai la tech, ça va aller tout seul. Je sais exactement ce qu'il faut faire. C'est vraiment que c'est vrai. En fait, faut pas bouger au premier tour. Le Bomberman approche de 3. Donc là, on fait Magic Water. Du coup, lui, il va se faire foutre. On avance encore d'un cran et là, on attend. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a range du tank, du coup, il va nous taper et il va se barrer. C'est ça, la subtilité. C'est hyper tactique comme truc.
Là, j'ai 2 points de vie, ça se joue au pixel près, ça a été calculé. Ça a été calculé au pixel près. Vous avez vu, il s'est barré. Il s'est barré. Donc, magique, water. Ensuite, là, il s'éloigne. Donc, s'il s'avance de 2 et que moi je m'éloigne normalement, normalement, tu peux pas me taper. Si je vais là, normalement, tu peux pas me taper. Voilà. C'est ça, mon gars. Non, item else. Trop content d'avoir trouvé hein, la solution. Vas-y, je vais aller là. Ça tape quand même les tourelles électriques. Bon, maintenant le niveau c'est de la rigolade. Maintenant le niveau il est facile. Hein, vraiment, une fois que t'as passé les tourelles missiles, c'est trop facile. Bon, après il faut tuer le canon quand même. Enfin le tank. Mais. En vrai c'est ok. J'aurais dû attendre en vrai. J'aurais dû attendre, j'aurais pas dû bouger. Bon, NP, j'ai perdu un peu de temps, mais. Allez. Salam. Allez, item, on se régène un peu, on avance. Je vais peut-être. Je pense que je vais devoir régénérer mes munes à un moment donné. J'ai pas eu combien de coups je lui ai mis. Enfin, pour en arriver là. 1, 2. Ouais, peut-être pas en vrai. Je vais me réavancer. Ce qui est bien, c'est que je peux fight l'une sans fight l'autre. Ah oui! Ah oui, ça va! Putain, pourquoi je me casse la tronche? C'est facile. Je n'ai même pas obligé de me sustain en vrai. Mais attends, tranquille, tranquille. Oh, le level up! Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me suivre sur les différents réseaux. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao!